Marhaba bikoum. Donc Adel Aïed, je suis le directeur général d'Arthès et de Wallis Service. Donc Wallis Service est une filiale d'Arthès. C'est l'importateur de la marque Lada en Tunisie. En fait, nous faisons le lancement officiel aujourd'hui avec la présence de la presse, de nos amis du domaine automobile. Mais les ventes ont démarré déjà depuis le début du mois de mars et les retours sont extrêmement positifs. C'est une voiture qui plaît beaucoup. C'est une voiture qui est très adaptée au marché tunisien, je ne veux pas dire aux routes tunisiennes, mais au marché tunisien, il y a beaucoup de chasseurs, beaucoup de pêcheurs, beaucoup de gens, beaucoup de baroudeurs, et pour eux, c'est le véhicule idéal. Facile à entretenir, qui va partout, rustique, mais rustique dans le bon sens, c'est-à-dire c'est un véhicule qui dispose de tout le confort moderne, hein, avec les vitres électriques, avec la climatisation, mais avec un double pan, avec un blocage du différentiel. Donc c'est vraiment, ça allie le confort moderne avec la solidité du Lada 4x4 russe qu'on connaît. On a eu des agences de voyage et des agences de location pour utiliser ce véhicule pour leurs clients, mais aussi des entrepreneurs, des chefs de chantier, des chefs d'entreprise qui utilisent cette voiture pour aller partout, pour aller sur leur chantier. Souvent, ils doivent passer par des terrains difficiles. Donc aujourd'hui, avec un tel véhicule, ils n'ont plus de problème. Moi, j'ai pas voulu parler du prix parce que c'est un élément fondamental, bien sûr, dans l'équation. C'est un véhicule qui est aujourd'hui commercialisé à 38 650 dinars. Je ne veux pas dire que c'est vraiment le prix d'une voiture d'entrée de gamme aujourd'hui sur le marché tunisien. Et ça, ça a été fait grâce à un effort extraordinaire du constructeur russe qui voulait vraiment rentrer sur le marché tunisien et un effort fait par le groupe Mzabi qui a aussi fait un effort sur sa marge pour pouvoir offrir ce véhicule à ce niveau de prix. C'est un véhicule qui n'existait pas dans la gamme Renault et dans la gamme Nissan, donc c'est un véhicule spécial, c'est une niche que nous occupons avec ce véhicule Lada, mais c'est le début, il y a une suite à cette histoire et il y aura d'autres véhicules Lada sur le marché tunisien.